Coucou les petits loulous! Aujourd'hui, Émilie, moustache, ne se laisse pas faire. Moustache, un adorable chaton, vit tranquillement à la ferme. Son seul problème, c'est Médor, le chien qui n'arrête pas de se moquer de lui. Moustache a bien l'intention de ne plus se laisser faire. Pour l'impressionner, Moustache va trouver la parade et se déguiser. Le stratagème du chaton va-t-il fonctionner? Un livre sur le thème de l'amitié. Moustache ne se laisse pas faire. Médor, le chien du voisin, agace vraiment Moustache. Aussitôt qu'il le voit, il le poursuit en aboyant très fort. Grrr, les poils du chaton se dressent sur son dos. Alors, pour ne plus avoir peur, Moustache se cache. Mais on va voir ce qu'on va voir, dit Moustache. L'heure de la revanche a sonné. C'est décidé, il faut faire peur à ce grand dadais. Moustache a une idée. Lui, le petit chaton, il va se déguiser en lion. Il est grand temps que Moustache se fâche. D'abord, il me faut un peu de colle. Ce bocal de confiture de myrtille sera parfait. Oups! Moustache renverse le pot et fait une grosse tache collante sur la table. Ensuite, il faut se rouler dans la paille. Aïe, ça pique un peu, s'exclame Moustache, tout heureux. Et voilà une belle crinière de lion. À présent, autour de la queue. Encore un peu de paille pour le toupet final. Trop tentant de courir après. Délicieux à l'échouiller. Hatchoum! Attention, il ne faut pas attraper le rhume des foins. Maintenant, Moustache se sent un vrai lion. Il rugit. Rouah! C'est moi, Moustache, le roi des animaux. Rouah ! Moustache allonge ses griffes, ondule sa queue et se pavane dans la niche. C'est sûr, il va impressionner son ennemi. Soudain, une ombre blanche attire son attention. Oh, un petit papillon, s'amuse Moustache. Il se recroqueville, les moustaches en avant, contracte ses muscles, prêt à bondir. Il s'élance, mais la paille s'accroche dans ses pattes avant. Il tombe la tête la première dans l'herbe fumée. Quand il relève le nez, le papillon s'est envolé. Oh, que tu es drôle, Moustache ! Rigole Médor. Ton déguisement d'épouvantail est au poil. Tu veux bien que je joue avec toi ? Médor s'approche de Moustache et lui donne un coup de langue amical. Miam, tu as bon goût. C'est de la confiture de myrtille, je parie. C'est super, tu vas attirer les mouches. On joue à qui en attrape le plus? Demande Médor. Moustache n'est plus fâché. Tant pis si son déguisement n'est pas très réussi. Il est heureux d'avoir trouvé un ami.
Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi.